The Last Door, Collector Edition, la dernière porte. C'est parti, c'est une histoire horrifique. Commençons. Épisode 1, la lettre. Chargement. Après tout ce que j'ai vu. Après tout ce que j'ai vu. Oula, on est dans un grenier. C'est bien le style pixel art. J'aime bien. Ça pique un peu les yeux, mais c'est beau, c'est un style. C'est quoi ça? J'ai accès à un inventaire sur les côtés, donc bien. Je sais même pas comment ça se joue. Ah, mais c'est une chaise. Après tout ce qu'il y a fait. Non, il ne veut pas se pendre, quand même. Ma vie est sur une trajectoire dont je ne peux me soustraire. Ah si, il va se pendre. Ah, c'est horrible. C'était à combien de lettres? Il est trop tard pour moi à présent. Ah, c'est horrible. Ah, quelle horreur. Il a fait coulisser le nœud. J'espère seulement qu'un jour vous saurez me pardonner. Quick! Adieu! Anthony Beachwork! Quick! The Last Door! Là, il devrait y avoir un croassement. Oh putain! Thank you.
octobre 1891. Videte necisiat. Merde, on commence par des locutions latines. C'était la seule chose que mon vieil ami Anthony Benchworth avait écrite dans sa lettre. Cela faisait plusieurs années que je n'avais plus entendu cette phrase. C'était la devise du groupe de science et de philosophie que nous avions secrètement formé lorsque nous étions reclus dans ce pensionnat d'Écosse. Nous l'avions laissé là-bas, comme un simple souvenir de jeunesse. Cette lettre était très inhabituelle. Elle ne pouvait signifier que ceci, que quelque chose de terrible était arrivé. Quelque chose qui devait absolument rester secret. Il fallait que je découvre ce qu'il se passait. Trop bien l'autre forme. Sans tarder, je pris le premier train pour le Sussex, afin de me rendre à l'adresse indiquée sur la lettre. Et ainsi j'arrivais devant la vieille demeure de la famille d'Anthony, le manoir Beechworth. Saison 1, épisode 1, la lettre. The Letter. Ah ben voilà les croissements. Oh la vache. Loup. Alors, tu dis quoi sur l'entrée? Tu dis quoi sur ton haut de forme? Loup sur le... Non, je peux... Bah, j'ai tout loupé. Est-ce que je peux faire le tour de la propriété déjà? Oh putain, c'est quoi ça? Un groupe de corbeaux mange avidement quelque chose. Il y a trop d'oiseaux pour que je puisse voir leur proie. Putain. C'est quoi ça? Des poubelles. En jugée par l'odeur infecte, elles n'ont pas été vidées depuis 2 semaines au moins. Ok. Oula! Ils sont si vicieux que se rapprocher peut s'avérer dangereux. Est-ce que je peux prendre la porte arrière? Elle est verrouillée. C'est fermé l'intérieur, merde. Bon bah je vais aller là. Oh putain. C'est étrange, tout est silencieux. Comme si personne n'habitait ici. Je suis inquiet pour Anthony. Je dois le trouver. Ah, c'est bien qu'il ait retiré son manteau et... tiens, un portrait. S. Anthony, les années n'ont pas été tendres avec lui. Oh, ça parle mal. Une horloge de parquet. C'est le seul bruit qu'on peut entendre ici. Dégoisé. Un mot a été laissé sur la table. Cher monsieur Beechworth, à la suite des récents événements, la situation est devenue impossible pour nous et, à notre grand regret, nous n'avons d'autre choix que de partir. Nous vous serons éternellement reconnaissants pour toutes ces années à votre service. Dieu vous bénisse, monsieur et madame Brewer. Brewer, un anglais ça, Brewer. Aïe aïe aïe. Bon, bah c'est les serviteurs, couple de serviteurs, ils sont barrés. Ok, c'est la tristesse. Oh, un gramophone. Un appareil jouant de la musique enregistrée. Je ne savais pas qu'Anthony était un si grand passionné des nouvelles technologies. Un buffet contenant des verres, des bouteilles d'alcool et une boîte d'allumettes. Yeah, c'est l'heure de l'apéro. Oh, une tête de cerf. Une tête de cerf surveille la pièce de ses yeux de verre. Cool. On peut voir par la fenêtre. Tiens, c'est ouvert. Cette porte-fenêtre est grande ouverte, laissant l'air froid du crépuscule entrer. Une cheminée. Elle n'a pas l'air d'avoir été nettoyée depuis bien longtemps.
Bah, je vois pas ce que je peux faire à part rentrer dans la pièce. Ouah, c'est un couloir de fou. Il y a des portraits au mur. Ah, un paysage marin. C'est un anglais. Faut faire un accent écossais en plus. Un paysage marin. On y voit un petit bateau lutter contre des vagues violentes. C'est l'accent. Ah non, mon dieu. Je sais pas faire l'accent anglais. Attends, mais j'ai... Putain, mais je vous déporte partout. Des montagnes sous la pluie. Attends, fais la suite du couloir. Oh, Mona Lisa. Le tableau n'est pas droit. Bah, c'est guère mieux. Opening. On va tirer la manivelle après, ok? Cette peinture montre une forêt dense et sombre. Oui, c'est la forêt de Raccoon City. Cette petite plante donne un petit peu de vie à cet endroit. Oui, un petit peu de vie à cet endroit. Oui. Y a combien de portes dans ce couloir? Tiens, on dirait que c'est humide au sol. Pourquoi il y a des dégâts ici? Cette porte est fermée. Faut que je trouve la clé qui l'ouvre. Il y a un truc qui surplombe la porte, je sais pas ce que c'est. Élément de décor. C'est quoi cette pièce? Étrange. Un lavabo et quelques articles de toilette. Ah, c'était la chambre. Une lampe pour éclairer mon chemin. Bah, prends-la. Eh ouais, trop cool. Vas-y voir. Oh merde. Attends. Comment je fais pour activer la lampe? Aucune idée. Ah, il y a un truc sur le mur bizarre. Sur le mur, je peux distinguer la trace d'un crucifix qui a été accroché durant des années. Maintenant, il n'est plus là. Oh merde. Ah oui, en effet. Si on regarde bien le jeu de pixels... Ah, une lettre. 5 mars 1891. Maître Anthony nous a obligés à nous débarrasser de tous nos objets religieux. Que lui arrive-t-il? C'est bien, je fais ça le jour de Pâques. Par chance, j'ai trouvé un endroit où cacher mon chapelet. Et je ne peux pas prier le soir sans lui. Oula, c'est une longue lettre. 18 mai 1891. Alors, le maître s'est plaint d'Alfie. Que pourrait lui faire un simple chat? Il nous a ordonné de tout le temps le laisser à l'extérieur de la maison. Quand bien même, je ne peux pas laisser cette pauvre créature mourir de faim. Ce chat est si rusé. À chaque fois que j'ouvre la fenêtre, il sait que la nourriture l'attend. Quoi qu'il en soit, je suis inquiet pour le maître. Il est de moins en moins lui-même à mesure que les jours passent. 15 septembre 1891. Maître Anthony passe ses journées enfermé dans son bureau. Il veut que nous lui laissions de la nourriture devant la porte. Mais il ne mange presque rien. Je suis vraiment très inquiet. Ah, c'est la chambre du majordome. Une gamelle vide, comme celle utilisée pour nourrir les animaux de compagnie. À travers cette fenêtre sale, je peux à peine distinguer les terres du domaine. Oh là là, quelle misère. Bon, je sais où est la chambre du majordome. Alors attends, avant de bidouiller des trucs... C'est quoi ça? Ça a l'air d'être la cuisine. Une variété d'ingrédients pour la cuisine. Des fourneaux et à chiffon. Des assiettes et des casseroles. Une assiette avec des restes de plusieurs jours. Putain, ça doit bien puer. Il y a peut-être déjà des verres dedans. C'est pas la porte. Ah oui, j'ai débrouillé la porte. C'est pas la porte qui donne sur l'arrière de la maison. Si, j'ai gagné. Ah oui, les poubelles, oui. Ça se tient. Bon, je suis fou, mais je vais laisser grand ouvert. Ouais, il y a quelque chose à faire sur le pupitre de cuisine. Ça pourrait s'avérer utile, je vais le prendre. De quoi parle-t-il? Un vieux chiffon. D'accord. Le fourneau, ok. L'assiette et les casseroles, mais ça n'a pas changé. Blablabla.
Par contre, si je lui donnais l'ordre de fermer, voire de verrouiller la porte, je fais comment? Je peux pas, apparemment. Bon. Eh ben, ça va être la journée porte ouverte dans la baraque. Mais c'est quoi ça? C'est un crucifix? Un vieux chapelet avec un crucifix en bois robuste. Si je le mets dans la chambre du majordome, que se passe-t-il? Oui, bon ça j'avais déjà lu. Merde. Ah non, je suis pas invité à mettre le chapelet sur le... D'accord, laisse tomber. Je commence à tourner en rond là. Ah, j'ai pas fait l'étage supérieur. Quand je suis rentré dans le hall, j'ai fait le rez-de-chaussée, mais j'ai pas fait l'étage supérieur. Or, il y avait un escalier. Putain, il faut déjà mémoriser les plans de la baraque. Oh, pour un étage supérieur, il est bien sombre. T'es coincé, elle ne s'ouvrira pas. Ok, génial. Et comment je m'équipe de la lampe, bordel? Y a quelque chose à faire? Oula, va pas dans les ténèbres. Bah oui, je peux pas aller plus loin, tu m'étonnes. Mais j'ai pas de combustible dans la lampe. Faut peut-être que je trouve de l'huile ou un truc dans le jardin. Non. Oui, bah oui, elle est éteinte, je vois ça. Il fait trop sombre, je ne peux aller plus loin. Est-ce que je pourrais trouver de la... C'est quoi ça? Ah non, je crois que c'était un levier. La cheminée qui n'a pas été tuée depuis longtemps. C'est étrange. Ça c'est la chambre du majordome. Ça c'est... Ouais, une porte verrouillée. Majordome, il avait rien pour la... C'est quoi ça? Ah oui, un petit trou sombre dans le mur. J'avais pas fait gaffe la première fois. Est-ce que je peux y passer la lampe? Non, je peux pas. Non, je peux pas mettre la lampe sur le... Non, c'est débile. Il y a rien d'intéressant dans ces tiroirs. Tu peux agir avec la fenêtre? Sérieux? Ah ouais. Nettoyer la... le mec qui fait le ménage. Hein? Oh! C'est comme si le cadre de la fenêtre était pourri. J'aurais besoin d'un bout de ficelle pour qu'elle tienne ouverte. Bah, le chapelet, non? Le chapelet, trop fort!
Le vent froid du soir est un soulagement à côté de cette atmosphère étouffante. Aimé. Attends, il y a un truc à faire dans la chambre du majordome. C'est trop bizarre. Il me faudrait de l'huile pour la lampe. Ah bah, un lavabo, je peux peut-être laver mon chiffon, que je suis con. Ah non. Ah non, j'ai pas le droit de laver mon chiffon. Bah, va te faire boire. J'ai des grosses suspicions, là, l'oreiller. Non, je peux pas le tirer. Bon, il y a la plante, mais je vois pas en quoi la plante peut m'aider. Corbeau avec la lumière. Je veux dire aussi mon approche est un peu conne. Oui, ça c'est la lettre d'entrée de jeu. Oui, mais j'avais déjà. Oui. Comment j'active la lampe? Mais non, je veux pas descendre, abruti. Je vais activer la lampe, patate. Oui, je vois ça qu'elle est éteinte. Bah allume-la, Nunuche. Il me faut de l'huile et l'huile, je la trouve à la cuisine. J'aime bien l'ambiance. Là, je commence déjà à mouliner, je suis mauvais. La chambre du majordome, j'ai déjà fait beaucoup de trucs. Le petit salon, là où on prend l'apéro, je vois pas ce que je peux faire de plus. Il y a peut-être la cuisine qui va m'aider. Merde, j'ai pas cliqué comme il fallait. Non, ça marche pas. Assiettes et des casseroles. Je peux pas trouver un combustible pour ma lampe. Elle est où l'huile? Avec des restes de plusieurs jours. Non, ça. Elle n'est pas aussi sale que cela. Les bonnes celles-là. Je sais même pas s'il y a de l'huile dans ma lampe.
déjà en... Ouais. Je pense pas qu'essayer d'attirer le chat m'aidera à quoi que ce soit. Ouais, Alfie, il faut que je retienne que le chat se prénomme Alfie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a échappé à mon regard dans la pièce? Tenter d'aller à l'étage supérieur, mais je sais pas comment je fais pour allumer ma lampe, alors ça me fait suer. Ah, je peux toucher le gramophone? Je crois que l'enregistrement d'un son ou d'une musique peut être joué si un cylindre ou un disque préalablement gravé est inséré. Mais je vois pas de tels objets. Cet appareil. Seules ces allumettes pourraient s'avérer utiles. Bah oui, pour la lampe. Ah, oh, ça y est, j'ai allumé ma lampe. Putain, deux tensions, mec. Enfin. Ah, ah, ah. Ça y est, je vois dans l'obscurité. Eh ben dis donc, il y en a des tableaux sur le mur. Pourquoi c'est barricadé ça? Surtout à l'étage supérieur. Tiens, il manque des portraits ici. Les zones rectangulaires sur le mur sont plus claires, comme s'il manquait certains tableaux. Et comment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un meuble avec je sais pas quoi. Les zones rectangulaires, là, certains tableaux, déjà lus. Je fais les portes dans l'ordre ou pas? Il va me dire qu'elle est verrouillée. C'est fermé de l'intérieur. Comique. Oh. Oh. Ouah, trop bien, un lit à baldaquin. Un grand lit, il est couvert de poussière. Il semble que personne n'y ait dormi depuis des jours. Un gentleman avec un regard sérieux et inquisiteur. La cheminée est encrassée par la suie. Oh, la belle fenêtre avec les beaux rideaux. Cette fenêtre s'ouvre sur un balcon qui communique avec les pièces adjacentes. Allez, profitons. Quoi? Je ne parviens pas à ouvrir le loquet, il est coincé. Je pourrais peut-être le débloquer avec un petit outil. Oh merde. Avec un chiffon peut-être, non? Moi qui voulais profiter de l'air frais. Alors, de petites photographies et de vieux... Daguerréotypes, ce sont pour la plupart des portraits de famille. Il va falloir que je regarde le dictionnaire, qu'est-ce qu'un daguerréotype? D'ailleurs c'est con, mais comme le jeu est posé, je vais tout de suite mettre la main sur le dictionnaire. Merde, j'aurais pas dû mettre la main tous comme ça. Là, je suis en train de faire des anneries. Il a dit quoi? Il a dit un daguerréotype. Alors, dictionnaire, please, il est où mon dico? Le dictionnaire. Alors, je prends un petit dictionnaire, et c'est là où ça va être la frustration, que je vais me dire que je l'ai pas dans le petit dictionnaire. Alors, toi aussi, tu apprends le Céfran. Mais j'aime bien les jeux littéraires comme ça, où tu fais ta culture. C'est très agréable. Je sais que ma frangine adorerait ce genre de jeu. D'ailleurs, à mon avis, il faudrait que je lui offre. Un jour, on aura un bon ordi où je pourrais lui foutre TeamSpeak, j'allais dire.
Steam. Dague. Oui, c'est ça. Dague. Alors, Dague. Daguerréotype. Je prononce mal, il y a deux R. C'est deux syllabes différentes. Daguerréotype. Nom masculin. C'est une image obtenue par les procédés photographiques de Daguerre. Ok. Bon, bah, faudra que j'apprenne qu'est-ce que Daguerre. Monsieur Daguerre a inventé quelque chose. J'étais d'avant-guerre, monsieur Daguerre. Oh, la musique est magnifique. Où en étions-nous? Attends, j'en ai perdu mon curseur de souris, là, je deviens fou. Ah, voilà. Ah, c'est deux choses différentes. La table de chevet, là, la table de nuit. Là. Une clé en argent. Tiens donc. Bah, prends-la, Nunuche. Ça va me déverrouiller une porte, laquelle je l'ignore. Alors, poursuivons. Qu'est-ce qu'il dit sur le... Des planches de bois ont été clouées à la porte. Bah, dis donc. C'est parce que à l'intérieur, il y a la baie. Faut pas réveiller la bête. J'ai ouvert cette porte, je ne sais plus. Ah non, la porte est coincée, littéralement. Bah, dis donc, il est foireux cet étage. J'avais une porte dans le couloir qui était verrouillée. C'était la porte au fond du couloir. Voilà, clé en argent. Bingo! Oh! Ah, mais c'est la cave! Oulala! Je suis au niveau N-1 là. Oh, ce bruit de flotte, ça fait peur. C'est quoi ça? C'est un disque intitulé Le Carnaval de Venise. Quelle idée de mettre un disque à la cave! Ouais, je le jouerai avec le gramophone. Oh, des fûts. Il y a peut-être un bon cru. Un pied de biche. Et en fer, qui plus est. Ça me permettra de déverrouiller le balcon en haut. Alors, un petit tas de bois de chauffage, des brindilles et de gros morceaux d'écorche sèche. Je ne peux pas en prendre un peu. J'aurais bien aimé faire un feu dans la maison. De cheminée, hein, je précise. Je suis pas pyromane. Bah, une cave, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, je mettrais bien un peu d'ambiance. On va mettre de la musique. Ah, puis dans la chambre du majordome, il faudrait que je regarde le trou dans le mur avec la top. Quoi? Oula. Sympa, un petit peu de musique. Non, je peux pas. Oh! Bah merde, la musique s'est brusquement arrêtée, dis donc. Attends, je vais aller voir la chambre du jardin, et puis je vais me refaire un concert dans le salon. Ah non, je peux pas. Oh, c'est nul. Oui, bah je vais remettre la musique dans le salon. Allez. Oh putain! Je suis dans la merde! Il y a des corbeaux partout, les rideaux ont été tirés et c'est rouge. Oh les boules! Je vais calmement revenir sur mes pas.
Wouah, putain, c'est bien fait, ça fait peur. Comment que ça fait flipper? Je vais peut-être aller à l'étage, déverrouiller le balcon, prendre l'air frais, ça me fera du bien. Je sais plus comment il regarde le. Ah là déjà l'air frais. Ah bah tiens, il y a moins de corbeaux. Un corbeau agonise au milieu d'une mer de sang. Les chiffons prendre le corbeau. Non, je déconne. Le mec il est fou. Quoi, je peux prendre le corbeau? D'accord, ok, tout va bien. Oh, je vois le Sussex au loin. Ah, j'ai le corbeau qui agonise dans mes mains. Oui, oh, tais-toi le corbeau. Je ne sais plus. Oui, je voulais aller dans la... Ah, c'est horrible d'entendre le corbeau gémir. Bon, je vais déverrouiller la porte du balcon. Comment ça, non? Ah oui, pour lui, c'est pas un petit objet, mais un gros. Je vais me servir du corbeau pour déverrouiller la porte balcon. Si. C'est horrible. Oui, il est catégorique. Hein. Je ne parviens pas à ouvrir le loquet, il est coincé. Je pourrais peut-être le débloquer avec un petit outil. Sauf que le pinbiche n'est pas un petit outil, mais un gros. Donc ça ne fonctionnera pas. Je l'ai dans le papa. Le corbeau, qu'est-ce que tu fous là? C'est sordide d'avoir un corbeau agonisant dans l'inventaire. Oh yeah. Fermé de l'intérieur. Hop, hop, hop. Oui, bah j'ai... La remarque avait déjà été faite. Ça aussi c'était verrouillé, je crois. Ah non, elle est carrément coincée, ouais, c'est vrai, c'est encore pire. Ah, les corbeaux se sont barrés. Les rideaux sont tirés. Oui, bah... Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, on va savoir, les corbeaux, je te fous dans la cheminée. Je mets le corbeau dans le gramophone. Ça va faire un remix. Ah, il vaut mieux que j'y touche plus. Vous avez vu le résultat, effectivement. Là, par contre, je sèche parce que je vois pas ce que je peux faire. Attends. J'ose mettre le corbeau dans la gamelle du chat. Ah, c'est ça qu'il faut faire! Ah, c'est répugnant! Le chat va bouffer le... Comment il s'appelle déjà le chat? C'est là où ça va être une panthère. Alfie, ouais. Faut que je retienne. Alfie. Donc je sors de la pièce, je reviens. Tu peux être sûr qu'il y a un truc qui se déclenche. Allez hop. Ah bah non. Alors je me répète, mais je ne relis pas. Ou à de rares exceptions. Les textes que j'ai déjà débloqués. Je clique avec frénésie sur certains trucs. Cette musique est magnifique.
J'entends quelque chose au loin, ça ressemble à des gémissements. Où est parti le corbeau? Quoi? La traînée de sang part du pot et va vers le mur. C'est vraiment bizarre. Le corbeau n'est plus là, oui, bah tu m'étonnes. C'est très bizarre comme chant. Attends, je vais aller revoir à la cave, mais il n'y a rien à la cave. Ah, le miaulement est plus fort par ici. Ah bah le chat est là. Albi, Aldi, je sais plus son nom. Alfie. Ah oui, c'est un chat qui miaule. Bah alors, mon gros minet. Ah, j'étais pas allé jusque là. La chaudière a l'air de plus servir depuis un bon moment. Minou, t'es où? Alfie. Le miaulement semble venir de derrière ce mur. Eh ben, un pied de biche, on va ouvrir un peu. Je ne peux pas démolir ce mur avec ceci. Avec un vieux chiffon, peut-être. Mais qu'est-ce que le chat fout derrière le mur? Je ne vois rien d'intéressant là-dedans qui justifie de l'ouvrir. Bon. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ouais. Petit bois de chauffage. Oui, mais je peux rien prendre de toute façon dans le bois de chauffage. Oui, ça n'a pas d'intérêt. Ah, là, on a bien entendu miauler. Bon, j'ai un chat qui est coincé à la cave. Oh le bordel. Ouais, bah je viendrai te chercher Alfie plus tard. Oh là là. La porte est toujours coincée. Toujours coincée. Avec tout ce raffut. Fermée de l'intérieur. Bon, je peux pas forcer au pied de biche, je présume. Par contre, celle qui est dite coincée. Attends, je peux pas la dire coincée au pied de biche? Pas qu'il faut que je défonce ça au pied de biche quand même. Ah si. Ok. Oh, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé ici? Ah, quelle horreur. Il y a une morte. Leave me alone. Laisse-moi seul. Quoi? Qui repose ici? La dépouille d'une femme. Elle est là depuis plusieurs jours. J'ai l'impression qu'elle tient fermement une note dans l'une de ses mains. À présent, j'écris très certainement ce qui sera mes dernières pensées, mes dernières lignes, mon dernier soupir. Je ne sais quelle sombre puissance a transformé mon mari en ce qu'il est maintenant. Un étranger au regard privé de raison, de compassion et de chaleur humaine. Je ne sais quelle ombre a pu doucement obscurcir nos vies. Je ne sais quelle est cette entité qui réside désormais dans nos âmes. Je ne sais d'où elle vient, mais je suis sûr qu'elle n'appartient pas à ce monde. Bientôt, je retrouverai mes frères et sœurs. Je serai libéré de cet abîme de folie et de peur. Bientôt.
bientôt, j'arrêterai de trembler. Oh mon Dieu! C'est une épingle à cheveux. Ah bah ça va me déverrouiller le balcon, ça. Merci, madame. C'est une lettre. Oh punaise, il y en a de la lecture. Enfin, c'est littéraire, cette œuvre. Chère Margaret, cela fait 10 jours qu'Anthony n'a plus quitté son bureau. Je peux l'entendre chuchoter, furieusement, effroyablement, et c'est pire chaque nuit. Nos domestiques sont partis il y a plusieurs jours. Sans leur aide et leurs soins, je suis perdu. Je peux à peine sortir de mon lit. Même le docteur ne vient plus ici depuis sa dispute avec Anthony. Il a développé cette horrible faculté de pouvoir briser la volonté de quiconque. Je ne sais plus quoi faire. Je suis exténué. J'espère pouvoir vous envoyer cette lettre. Votre chère amie, Anna Bridgework. Ah bah c'est Anna qui repose ici. Arf. Oui, non, j'ai pas besoin de la lettre, je peux la laisser au sol. Ça ne m'avancera à rien. Quoi d'autre? Laissez-moi tranquille est inscrit sur les murs. Qui a bien pu écrire une telle chose? Surtout aussi haut au niveau du plafond. Il y a le fauteuil roulant, ouais, une vieille chaise roulante. Qu'est-ce que c'est? Une autre lettre? Une lettre, écrite d'une main tremblante. Je ne peux plus continuer, tout est perdu. Ok. Encore un autre papier au sol. C'est une page de journal intime. Je ne peux plus supporter leur regard insistant. Ils me surveillent, ils me jugent, ils me méprisent. Je sais qu'ils ne me croient pas digne de cette famille. Mais qui sont-ils, à part de la poussière et des os? Un souvenir. Laissez-moi. Je n'ai pas besoin de vous. Laissez-moi tranquille. Il n'y a rien d'intéressant sur cette coiffeuse. Il y a une autre pièce. Ouh, la galerie de portraits. Le jeune Anthony, tel que je me le rappelle. Une femme brune dont les traits sont marqués et le regard franc. Elle ressemble à la femme sur le lit. Elle tient un bébé. Serait-ce l'enfant d'Anthony? Ce vieil homme possède quelques ressemblances avec Anthony, mais son air est vicié par un œil sévère et troublant. Une jeune femme, qui n'a pas encore la vingtaine, regarde farouchement vers moi. Un homme blond, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu auparavant. Ah bon? Un portrait d'Anthony, debout près d'un chat sauvage ou d'un lynx empaillé. La peinture semble plus fraîche autour de la tête de l'animal. Tiens, tiens, faut peut-être nettoyer le tableau. Ça ne ferait qu'étaler la peinture fraîche. Ouais. Il y a un gros corbeau perché derrière la fenêtre. Il donne des petits coups de bec à la vitre. Ouais, il a que ça à faire, le corbeau. Bon, bah j'ai trouvé la salle au portrait. Alors. Ah merde, j'ai perdu le pied de biche en défonçant les... Merde. Mais non, faut que j'aille dans la chambre normale. Voilà, c'est avec l'épingle à cheveux que je vais déverrouiller la porte balcon. Voilà, avec l'épingle à cheveux, j'ai facilement pu débloquer le loquet. Allez, go. Ouah, c'est quoi ce délire? Un lynx empaillé. Le taxidermiste avait fait du bon travail. Lui, c'est celui qu'on voit sur le portrait, apparemment. Oh, il y a un grenier.
Il s'agit d'une carte de la région Sussex. Elle est annotée. Ah bon? Quelques coupures de presse sont épinglées au mur. The Illustrated London News, 1887. Un juge se suicide dans d'étranges circonstances. The Daily Telegraph, 1888. Un comte est retrouvé mort, flottant sur la Tamise. The Times, 1889. Un acteur célèbre se fait saigner à blanc dans sa chambre d'hôtel. Bah dis donc. Les vestiges d'expériences chimiques. Putain, l'autre il a inventé le LSD, c'est pour ça qu'il est dans un état complètement baboule. Une sorte de produit chimique se répand sur le sol, il sent fort le vinaigre. Bah avec le chiffon je peux en récolter peut-être, non? Un pot de diluant. Toujours 7 prix. Ah, c'est pour le portrait comique. Des livres étranges, ils sont écrits dans une langue que je ne connaissais pas. Enfin, que je ne connais pas, pardon. Tiens, il y a une porte. Ah, je crois que c'est une porte, oui. Ah, d'accord. Ok, bien joué. Bon, je vais faire le dissolvant sur la peinture. Là où il y a madame qui mourut. Hop là. Je peux pas étaler diluant directement sur la toile. Ça efface chaque couche de peinture. L'image la plus fraîche, tout comme ce qu'il y a à l'origine en dessous. Bah, chiffon et diluant. J'ai imbibé le chiffon de diluant. Donc chiffon imbibé sur le tableau. Oh, putain, il est chiant le corbeau sur le carreau. Le diluant a fait son effet, la peinture fraîche est partie, et désormais je peux voir l'original. La gueule du lynx est ouverte, comme s'il rugissait. Succès déverrouillé. Art Restoration. Eh bien. D'accord. Bon bah je vais aller voir le lynx empaillé. Non, je me suis trompé de pièce. Maintenant que j'ai ouvert la porte, vaut mieux que j'évite de passer par le balcon. Ah, alors ce lynx. Il est malinx, le lynx. Ce lynx ressemble à celui qui apparaît sur le portrait d'Anthony. Mais sa gueule est fermée. Comme elle l'était avant que je ne dévoile la peinture d'origine. Eh ben, ouvre la gueule du lynx. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Bon, bah, on fera ça plus tard. En haut de l'échelle, il y a une trappe. Sa serrure a été renforcée avec de l'or. Quelle drôle d'idée. La trappe est fermée à clé. Et merde. Merde, je suis passé par le balcon. N'importe quoi. Oui, ça me fait une belle jambe là. Je sais plus quoi faire du coup. J'ai plus que ma lampe à huile dans l'inventaire, c'est tout. Bon, à mon avis, il y a le poteau rose dans le grenier. Oui, mon manteau, et tu m'étonnes. Je vais prendre un peu l'air. Ah, on entend le chat, le pauvre. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Le miaulement est plus fort par ici, bah oui. Il est au bout de la cave, le pauvre. Minou, minou, minou. Je sais que tu es là, Alfie. Le problème, c'est que je peux rien faire.
pote. Moi, ce qui me fait suer, c'est d'avoir plus rien au niveau de l'inventaire, quoi. Le seul truc que je pourrais faire à la limite, c'est le coup du lynx, la gueule ouverte, mais je vois pas comment. Allez, la musique. Non, il n'ose plus. Ah, trop drôle. Dans le... Ah, je l'ai fouillé, ça. Ah oui, la coiffeuse. Non, non, il n'y avait rien de... Non, à part manipuler le lynx empaillé pour qu'il ouvre la gueule, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ah, c'est quoi au premier plan? Un marteau ordinaire en bon état. Tiens, tiens, j'ai bien fait de revenir dans la pièce. Ah, il y a des trucs au premier plan. Des pages arrachées. Ils ne m'ennuient plus désormais, j'en ai fini avec leur regard désapprobateur, leur chuchotement. Tout est prêt, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Ok. C'est de plus en plus mystérieux. Le marteau contre le lynx? Non, je crois pas. Si? Je m'en voudrais d'abîmer ce si beau travail de taxidermiste. Ouais. Est-ce que je peux aller à la cave avec le marteau? On est d'accord, la trappe, je peux pas l'ouvrir. Oui, elle est fermée à clé. Oui, elle est fermée à clé, c'est pas un marteau qui va m'aider. Je pense qu'il faut que j'aille à la cave avec le marteau. Cette musique au piano est magnifique. J'arrive, Alfie, le minou, là. Oui. Faut libérer, Alfie, le minou. Le minou parmi nous. Est-ce que je peux le libérer à l'aide d'un marteau? T'es sérieux? Ah oui, t'es sérieux. Et là, le chat me bouffe. Un chat noir me fisque. Mais comment? Il n'a plus Dieu. Mon Dieu, il a failli m'arracher les yeux. Il s'est évanoui dans la pénombre. Un grand coffre en bois, il est vide. Mais c'est le trésor de Rackham le Rouge. Alors, seul ce couteau pourrait s'avérer utile. Si tu le dis. Le couteau, oui, pour la statue de lynx. Enfin, la statue. Bon, bah, j'ai libéré Alfie. Pareil, combien qu'il allait dans sa pièce fétiche où il a la gamelle? Ah non.
perdu. Bon, je retourne au grenier. Merde, c'est la cuisine. Oh là là là, ça y est, je suis en train d'être désorienté, ouais. Voilà, en insérant la lame dans la gueule du lynx empaillé, j'ai réussi à ouvrir la gueule du lynx. Il y a une clé dorée à l'intérieur. Tellement facile. Ah bah voilà, le fameux grenier. Oh mon dieu, non, Anthony, non. Et Anthony, tu m'as pas dit c'était en combien de lettres? Le corps sans vie de mon cher ami. Quelle folie l'a poussé à commettre un tel acte. Il y a quelque chose dans sa poche. C'est une lettre cachetée. Mon cher G. Davids, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus qu'un corps pendu devant toi. Je t'écris dans mes derniers instants de lucidité. Tu es l'un de mes plus vieux amis. Et quand je t'ai envoyé la lettre te demandant de venir ici, à aucun moment je n'ai douté que tu le ferais. Dans le cas contraire, tout aurait été perdu. Je me suis retrouvé mêlé dans une série d'horribles incidents. Pour des motifs qui m'échappent à ma raison et à ma compréhension, je suis devenu un parfait étranger pour mes proches et moi-même. Un étranger capable des actes les plus indescriptibles et les plus atroces. Je ne peux te donner davantage de détails pour l'instant, mais je dois te demander de retourner immédiatement au pensionnat où nous avons scellé ce pacte, où nous avons tous juré sur notre honneur devant les autres membres et où nous avons tous prononcé cette phrase qui devait nous protéger à jamais. Cette lettre ne doit être lue par personne d'autre que toi. Par conséquent, j'aimerais que tu la détruises immédiatement. Les vies des autres membres du groupe, ainsi que la tienne, sont en grave danger. Ne perds pas de temps, ils t'attendent déjà. Voir, c'est croire, David. Ne l'oublie pas. À jamais ton ami dévoué, Anthony Betchroat. Oh mon dieu! Je lâche tes dors! Succès déverrouillé. Don't leave me hanging. L'aventure continue dans l'épisode 2. The Last Dozer Letter a été créé via Kickstarter grâce à 285 contributeurs. Putain, ça va trop vite. Oh my god, Michel. Ah, il y a du monde. Hein. Ah oui, frisson.org. Ouais, j'avais oublié, c'est bien. Il est paru le 11 mars 2013. Tiens, c'est rigolo ça. Ah bah j'ai fini le la saison 1 épisode 1. Vachement bien. Ah putain, j'ai bien aimé. Trop classe. Bah je me ferai le second épisode bientôt avec grand plaisir. Et du coup j'ai un petit peu plus d'une heure. Ouais, c'est sympa. Et la musique est magnifique.